J'espère que vous allez superbement bien. Moi, je pète la forme depuis un bon moment et j'étais trop feignante de prendre ma caméra pour vous faire des vidéos. Mais cette vidéo, je l'avais promis pour vous parler de mon poids. Donc, nous sommes le 8. Je vais voir ça. Allez, téléphone. Nous sommes le 8 septembre. Donc, la semaine dernière, le 2 septembre, ça faisait 2 mois que je m'étais faite opérer. Oh, une bébête! Mon Dieu! Bref, ça faisait 2 mois que je m'étais faite opérer et je ne vous ai pas donné de nouvelles, ni le premier mois, ni le deuxième mois. Donc, comme vous le savez, je suis partie... Oh, punaise de bébête! Oh mon Dieu! C'est une espèce de punaise, j'aime pas ça. Enfin bref. En plein live, petite bébête, tu me fais quoi là? Donc, comme vous le savez tous, avant l'opération, je faisais 112 kilos. Ensuite, je suis descendue, j'ai stagné un moment. Je me demande si c'était pas... Ben, c'était au moment où vous avez vu la vidéo sur notre week-end en Savoie. Là, j'étais en plein moment de stagnation, je sais pas comment on dit, je stagnais au niveau du poids. Donc, c'est ce qu'on appelle un palier. Donc, j'étais un premier palier. Ce week-end-là m'a fait énormément de bien. Donc, on était tous avec Michael, blablabla. On s'est superbement bien amusé. Et au retour à la maison, le poids, il avait descendu. Donc, ça m'a fait du bien. Donc, ensuite, le palier a repris. Et là, ben, j'attends un prochain palier parce que ça ne descend pas, finalement. Ça ne s'arrête pas tous les jours. Donc, voilà. Alors, la semaine dernière, il y avait la rentrée des classes. Kylian a fait seule sa rentrée des classes parce que Miss Vemiti est tombée malade. À cause de qui ? À cause de moi, dis donc. Parce que figurez-vous qu'à cause du changement de température qu'il y a eu entre chaud, froid, je suis tombée malade, donc j'ai eu un gros rhume, etc. Que j'ai refilé à Vemiti, mais que j'ai refilé la veille de la rentrée. Donc Vemiti n'a pas pu aller à la rentrée des... Elle n'a pas pu faire sa rentrée des classes, donc elle est venue avec moi chez mon chirurgien parce que j'avais rendez-vous le 1er septembre. Donc Kylian a fait tout seul sa rentrée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vemiti a refilé son rhume à son frère. Donc, son frère a fait qu'une journée la semaine dernière, donc le jour de la rentrée. Ensuite, je ne les ai pas emmenés. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Kylian me l'a refilé. Donc, je suis retombée malade. Ensuite, j'ai refilé ça à Mickaël. Bref, ça a été un cercle vicieux entrecoupé de malades, etc. Donc on est tous tombés malades. Et cette semaine, on a tous pété la forme dès le lundi matin. Donc Kylian et Vemiti, à l'école. Vemiti a fait sa rentrée hier, elle était super contente. J'étais super contente de la voir aussi heureuse. J'ai une fille qui adore l'école. Mais attendez, je lui dis, alors l'école, comment ça s'est passé? Ah, c'était trop chouette. La maîtresse, elle est trop gentille avec moi. Et on a mangé un gros gâteau au chocolat. Déjà là. Alors déjà, j'ai fait attention au poids de Vemiti. Parce que Vemiti, si elle peut manger 2 steaks hachés et toute seule, elle le fait. Donc on est obligé de l'arrêter. Donc j'en ai discuté avec mon chirurgien, puisque ça tombait bien, j'étais avec elle le jour de mon rendez-vous. Donc il m'a donné quelques conseils que je vais suivre à la lettre. Donc on arrête Vemiti pour manger et on fait attention à son poids. Donc tous les lundis quand je me pèse, elle se pèse aussi. Donc voilà. Au moment où je suis allée voir le chirurgien, je faisais 94,3 grammes. Donc de 112 kilos à 94, je ne sais pas combien ça fait, hein, voilà. Donc, je faisais 94. Et aujourd'hui, comme je savais que j'allais faire cette vidéo et spécialement débuter sur mon poids, puisque ça fait bien longtemps que vous attendez cette vidéo pour savoir combien j'ai perdu, etc. Donc, je suis à 91,9 kilos. Je suis exactement à 20,100 grammes. Donc, c'est 20 kilos et 100 grammes de perdu. Donc, ça y est, j'ai passé la barre des 20 kilos. En deux mois, puisque le deuxième mois, c'est fini la semaine dernière. Donc, le 2, mardi dernier. Donc, en gros, en 2 mois et 1 semaine, j'ai perdu 20 kilos. Et 100 grammes, donc voilà. J'ai eu un palier, donc la vidéo que je vous ai faite sur notre week-end en Savoie, j'étais en palier, ça faisait 3 semaines que je bougeais pas, que ça montait, descendait. Donc je faisais entre 100 et 99 kilos, ou 98, un truc comme ça, donc de 2 kilos de différence à chaque fois. Donc ça stagnait. On a fait ce week-end, ça m'a fait un bien fou de me retrouver avec mon mari, mes enfants,
enfants autre part qu'à la maison. Et c'était trop, trop génial. À mon retour, la perte a repris. Ensuite, j'attends le prochain palier parce que oui, il y a des paliers, hein, voilà. Et puis voilà. Donc, ben, je ne sais pas si on me voit bien comme ceci. Je ne sais pas, je vais vous poser quelque part parce qu'en fait, je n'ai pas de photos de moi. Si je fais comme ça, alors on va croiser les doigts pour que ça ne tombe pas. Je vais essayer de prendre en photo. Donc me voici, me voilà. Donc j'ai pas de avant-après. Je suis désolée, hein, j'ai pas de avant-après. Par contre, je vais prendre en photo ce que je viens de faire avec ma caméra, ou plutôt mon appareil à photo qui a coûté plus de 600 €, entre 600 et 700 €, pour vous faire montrer sur quoi ça tient. Voilà. Comme ça, je vais vous mettre une petite vidéo. Donc, me voici, me voilà. J'ai pas de photo de ni avant ni après. Au niveau comment on appelle ça, des cicatrices, bah, tout va bien. Le chirurgien est content, donc j'ai encore 6 mois pour hydrater. Et il m'a dit qu'il faut hydrater tout le corps. Donc tous les soirs, j'ai une crème hydratante pendant la douche. Et après, je mets un cicatrisant sur mes cicatrices. Donc voilà. Donc me voilà. Ouh là là, j'espère que j'ai pas rayé mon appareil photo. Je crois que si. Mon Dieu. Mais bon, de toute façon, l'écran est là au-dessus, donc ça va. Ça va pas être rayé. Donc moi, je vais passer à table. Je vais vous faire montrer ce que je mange. Aujourd'hui, je mange une petite salade avec un peu de riz. Donc ça, c'est une assiette. Ouh là. Ça, c'est une assiette à dessert. Donc c'est une toute petite assiette. Voilà, elle est plus petite que ma main. En gros, je fais ça, ça fait ma main. Voilà. C'est une petite assiette que j'ai trouvée à Action, noire, et ça change des assiettes que j'ai. Donc je me suis fait une petite salade tomate, concombre, thon, en boîte bien sûr, avec un tout petit peu de riz, parce que le riz, j'ai vraiment du mal. J'ai droit à 30 g de pain, donc ça, je ne sais pas combien ça fait, il faudrait que je pèse. Et je suis quelqu'un qui a vraiment du mal à manger tout ce qui est viande. Le poisson, ça passe un tout petit peu, on fait avec. Ouh là là. Voilà, ça passe un peu, on fait avec, hein, comme je disais, donc on fait avec. Sinon, les légumes et les fruits, ça passe easy. Je suis bien contente, je ne fais que manger ça. Mais mon chirurgien n'est pas très content parce que je mange plus de fruits et de légumes que de protéines, chose que je dois changer. Je le sais parce que c'est important pour moi, je risque d'être en carence, donc je risque d'être malade si je ne prends pas de protéines. Mais les protéines, c'est très difficile à manger pour moi. Par contre, il m'a dit, allez trouver des protéines ailleurs que dans les viandes si vous n'arrivez pas à manger. Donc tout ce qui est lentilles, voilà, les grains secs, etc. Donc moi, à moi de trouver, donc les yaourts pour le moment, ça ne passe plus, je n'arrive plus. Donc je prends des cachets qui font que... Pas qui remplace le yaourt, non, mais c'est calciprade, c'est du calcium, c'est du carbonate de calcium. Je dois en manger un, enfin, en croquer un tous les jours. Donc, c'est mon bonbon de la journée. Voilà, j'ai plus droit au bonbon. Enfin, si, j'ai droit au bonbon, j'ai droit à tout, en fait. Mais je fais attention. Donc, je mange pas de bonbons. Je fais attention, en fait, je fais attention. Des fois, je prends une cochonnerie de par-ci, par-là, mais plus comme avant où je pouvais finir un paquet ou un truc comme ça. Donc ça, c'est mon bonbon de la journée que j'adore. Ensuite, j'ai ces vitamines-là que je dois prendre à vie. Je dois encore continuer une vitamine D. Voilà. Je dois aussi prendre pour 3 mois ou 6 mois, je ne sais plus, du fer. Et puis c'est tout. Dans un mois, j'ai une autre vitamine, c'est la vitamine B12 que je dois prendre. Et après, c'est bon, quoi. Mais sinon, bah, voilà, quoi, je sais que tous les jours, je vais devoir prendre des cachets, etc., etc. Oh, voilà. Voilà, voilà. Donc moi, je vais manger. Ensuite, je vous reprends pour blablater un peu avec vous. J'espère que vous allez superbement bien. Moi, je vais bien. Il y a eu des hauts et des bas, donc c'est pour ça que je vais vous prendre juste après manger. Et puis, voilà, quoi. Allez, à de suite, et puis bon appétit tout le monde, si vous passez à table. Il est... J'ai mangé à peine en 15 minutes, ce qui n'est pas bien. Il faut que je mange en plus. J'ai oublié, mais ce matin, j'ai étendu les draps. Donc,
Donc j'ai enlevé tous les draps de la maison, mais j'ai oublié d'en remettre pour ce soir. Je suis dans la chambre des enfants et ils n'ont pas de draps. Il faut que je mette, en fait, Kylian, il faut que je mette que ce soir, parce qu'en fait, pour Kylian, comme il a des accidents, enfin si, c'est, il n'a pas eu d'accident depuis un certain moment, mais bon, voilà quoi. Donc ça, c'est leur chambre. J'ai passé un coup de balai hier et un coup de serpillière. Comme ça, aujourd'hui, j'ai pas à refaire. Mais par contre, qu'est-ce que j'ai hâte d'avoir un aspirateur. Parce que notre aspirateur nous a lâchés pendant le confinement. Parce que mon mari est allé aspirer la voiture et boum, il n'y en a plus. Pff, dégoûté. C'est que maintenant, je fais tout au balai, ce qui a tendance à m'agacer un peu parce que la poussière elle revient tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà. Et là, il y a mon petit chatouné. Il y a mon petit chatouné sur notre lit. Hein, mon petit cœur. Il y a notre chatouné. Oh là là. Hein, mon petit bilou. Donc voilà, ça c'est notre chambre. Et j'ai tout réaménagé aussi parce qu'au départ, ce meuble-là et le meuble qui est là étaient devant notre lit. Donc ça prenait toute la place. Donc voilà, maintenant c'est plus aéré, etc. Donc là, je vais essayer de vous poser quelque part et essayer de trouver de quoi m'élever vers le ciel pour pouvoir aller chercher des draps. Parce que ouais, je suis petite quand même. Je perds du poids, mais je suis petite. Voilà. Donc ça, ça va être pour nous. De toute façon, je prends n'importe quel de draps. Non, quand même pas celui-là. Quand même pas celui-là. Est-ce qu'il n'y en a pas un autre plus bas? Si. Voilà. Ça, je vais prendre pour nous. En fait, c'est les mêmes draps pour tous les trois lits. Donc, nous, c'est 1,60 par 200. Et on a acheté ces draps-là pour tous les lits. Donc, je fais avec. Bon, allez, je vais vous poser quelque part et je vais aller faire mon travail pour aller faire les lits des enfants. Donc, j'espère que... voiture, j'ai fait un montage un peu bizarroïde pour mettre ma caméra, enfin mon appareil à photo pour que ça ne bouge pas, donc je verrai les images au moment du montage, donc j'espère que l'image elle bouge pas trop. Donc en fait l'appareil à photo est sur une perche que j'ai bloquée dans ma boîte à coude, je sais pas, c'est un truc pour poser le coude. Donc franchement, si ça fonctionne bien, ça va être du top du top. Parce qu'en fait, c'est pour ça que je faisais pas trop de vidéos, parce que je suis souvent dans ma voiture, moi. Tout le temps dans ma voiture. Alors en plus, maintenant que l'école a repris, c'est parti mon kiki, hein, pour que ce soit tout le temps dedans. Enfin bref. Donc là, je suis en train de me diriger vers Récup. C'est une friperie. Ça fait du bien, maintenant je vais avoir du temps pour faire les vidéos. Moi je rappelle au mois d'août, j'ai pas fait du tout de vidéos parce qu'en fait Mickaël a repris le travail. Donc je me suis retrouvée seule avec les jumeaux. Alors que pendant le juillet, Mickaël était là pour pouvoir m'aider juste après l'opération. Et j'ai trouvé qu'en juillet, que mon mari servait pas trop en fait, hein, que l'opération m'a pas cassé, donc ça allait. Et finalement, en août, j'ai trouvé qu'avec l'absence de mon mari, qu'il ne servait pas trop à rien, quoi, finalement, au mois de juillet. parce que les premiers temps, dans le mois d'août, mais comment j'ai galéré. J'ai vraiment galéré. Entre faire mes repas, ceux des enfants, puisqu'on ne mangeait pas la même chose. J'étais encore au liquide, non, pas au liquide, au purée et tout ça. Donc, c'était un peu difficile. Tenir les enfants toute la journée, alors qu'au mois de juillet j'avais quand même Mickaël qui était là pour jouer avec eux, faire prendre le bain, et puis là je trouvais que c'était vachement difficile, donc au mois d'août j'ai un peu galéré. Pendant les week-ends on essayait de passer beaucoup de temps ensemble avec Mickaël quand même, c'était chouette,
Mais sinon, voilà, cette opération, si vous voulez la faire, l'opération, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai fait un bypass il y a 2 mois, donc le 2 juillet, j'ai fait le 2 juillet, j'ai fait un bypass. Et depuis, il y a des hauts et des bas. C'est pas du tout repos. Il faut savoir que c'est pas une opération miracle. Mes repas se passent bien comme ils peuvent se passer très mal. Il y a des jours où je mange tellement vite que ben, je suis malade. C'est-à-dire, j'ai un peu la gueule de bois. Je sais pas si vous avez déjà eu la gueule de bois, ouais. Vous avez picolé, genre, je sais pas moi, toute une nuit. Alors moi, quand j'étais jeune, je picolais. Hein. Franchement, je picolais, je faisais la fête tout le temps. Et le lendemain, grosse gueule de bois, quoi, le ventre qui tourne, envie de vomir et se dire ouais, plus jamais je vais boire. Et le week-end d'après, c'est rebelote. Mais ben moi, c'est ce que je vis la plupart du temps de mes repas. À chaque repas, après chaque repas, c'est ce que je vis en fait. C'est comme si j'avais une gueule de bois et que c'est pas très plaisant. Donc, je sais comment faire pour ne pas avoir la gueule de bois. C'est manger beaucoup de fruits et légumes. Sauf que ce n'est pas bon pour moi puisqu'il faut que je mange des protéines. Puisque j'ai une malabsorption, mon estomac n'absorbe pas bien les choses. Donc j'ai un estomac très petit, hein, qui a la taille d'un point ou d'une moitié de point. Je ne peux pas trop manger, donc je peux manger par repas 150 grammes par repas, chose que je ne mange pas. Puisqu'il faut 50 grammes de protéines, 50 grammes de viande et 50 grammes de. 50 g de protéines, 50 g de légumineuses et 50 g de, oh, je sais plus comment on appelle les pommes de terre, et tout, féculents. Chose que je ne fais pas puisque les féculents et les protéines ont du mal à passer. Donc je mange beaucoup de fruits et légumes. J'adore ça. Hein? Sauf que je mange fruits et légumes crus. En sachant que les fruits et légumes crus, ce sont des choses qui ne se digère pas vite et ne se digère pas bien. Alors pour mon petit estomac, pauvre de lui. Enfin bref. Donc voilà, quand je mange très très mal, donc c'est ça, les difficultés. Après, le positif, c'est qu'il y a cette perte de poids, que ce que j'ai envie, c'est de manger peu. C'est voilà, parce qu'avant, je mangeais beaucoup, 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 et tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et que maintenant, voilà, je remarque que je mange peu et c'est ce que j'ai envie. Ça, c'est mon objectif. En fait. C'est l'objectif numéro un. Ouh là là, je sens que je vais galérer pour mon retour à la maison. Parce qu'il y a un camion qui est en train de bloquer la route. Bref. Donc, je vais devoir faire le tour et repartir dans l'autre sens. Bref. Et en fait, c'est ça mon objectif, en fait, c'est d'apprendre à manger moins. C'est apprendre à manger moins pour me sentir mieux. Parce qu'avant, j'étais souvent ballonnée, je mangeais beaucoup. Donc voilà quoi. Ça, c'est l'un des avantages. Donc manger moins. Mais les effets secondaires, c'est un peu terrible. C'est un peu terrible. Maintenant, je suis à 2 mois et 1 semaine. Maintenant, on va se donner le temps. Donc voilà. Bon, moi, j'ai un peu beaucoup parlé. Je vais bientôt arriver à là où je dois aller. Et puis, je vous ferai montrer si j'ai pris des choses ou pas. On verra bien. Allez. À de suite, les coupinous, comme d'habitude, le dit. Rekiku, donc je vais un peu tourner comme ça, j'espère que ça va tenir. Voilà. Non, mais c'est trop chouette, le truc que j'ai pris, c'est trop trop chouette. Là, je suis trop contente. Enfin bref. Donc je suis allée à Rekiku, comme je vous ai dit, et j'en ai eu pour 7,50 €. Donc pour 50 centimes, je me suis pris cette râpe-là. Hop. Oula, le focus, ça, tu te fais ou tu te fais pas? Il n'a pas envie en fait. Donc voilà, je me suis prise une petite râpe. Il est un peu abîmé ici, comme vous le voyez. Mais bon, après, tant que ça va, il va faire l'affaire. C'est plus pour les agrumes quand je fais en cuisine. Ensuite, j'ai pris de la pâte à modeler pour les enfants, de la marque Playdou. Donc voilà, hop, oulala. Voilà, Playdou pour 1,50 €. Je trouve que ça vaut le coup. Maintenant, il faut espérer qu'il ne soit pas abîmé à l'intérieur. Donc quand j'appuie comme ça, c'est assez mou. Donc...
Je déteste la pâte à modeler parce qu'ils en foutent partout. Bref, j'ai pris aussi les accessoires qui vont avec. Alors ça coûtait 1,50€ aussi. Alors dedans, vous avez un peu plein de choses, tout plein de trucs. J'en ai pris, c'était 1,50€. Comme ça, on va voir si ce week-end on sort ou pas. Je ne rappelle plus. Je crois qu'on va au cinéma, je ne rappelle plus. Enfin bref. Donc les enfants, ils vont beaucoup adorer. Donc ce soir, je vais leur faire montrer. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? C'est tout. Puis, j'ai pris des vêtements. Je vais ranger tout ça dedans avant d'abîmer les sièges. J'ai pris surtout pour Kylian. Alors, chaque vêtement coûtait 2€. Et il faisait un acheté, non, deux achetés, un gratuit. Donc voilà, j'en ai profité. Donc de la marque NKY. Je ne sais pas ce que c'est que cette marque-là. Hop. Vous allez pouvoir me le dire, c'est quoi, voilà. Pour 2€, j'ai pris ça. Donc en gros, le t-shirt me revient à 1€. Alors ça, c'est plus pour Kylian. J'ai pris des manches longues parce que sans déconner, ça va commencer à faire froid. Voilà, comme ça, je plie déjà. Et ça va aller à la machine à laver. Ensuite, j'ai pris quoi? Ouais, une petite moto. De la marque. Alors la marque. C'est Touch Team. Hop. Je jette tout ça. C'est du 116. Donc j'ai ça, ça va lui rentrer. J'ai l'impression que ça va être trop grand pour lui. Voilà. C'est avec une petite moto. Et quand je vois ce que j'achète, je trouve que c'est de plus en plus grand. Donc j'ai pris ça. Hop. Alors ça, je sais pas si je vais voir pour Vimity ou Kylian. Parce que j'ai rien pris pour Vimity. Ici, j'en ai pris un, mais bon. Voilà, c'est un... C'est un pull comme ceci avec un drapeau américain ici, là. Voilà, c'est à col roulé. Je ne sais pas si ça va être pour Vimity ou Kylian, mais je pense bien que je vais donner à Kylian. Voilà. C'est un bleu, c'est un tout. Et la marque, c'est... Je ne sais même pas ce que je vous ai dit, c'est du Vervaudé. Donc pour 2€. Et le dernier, je trouve que ça serait bien pour Vimity. Enfin, je trouve. Voilà. La marque. C'est du... Je sais rien, je sais même, je connais même pas cette marque. Hop. Ah, voilà. Donc je connais pas du tout cette marque. Donc voilà, c'est un t-shirt avec un disque et puis je crois que c'est de la musique. Dessus c'est marqué Cosmic. Donc non, ce sont des planètes avec... c'est un tourne-disque en fait. C'est un disque avec un... Comme les tourne-disques d'avant. Donc voilà, j'ai pris 4 manches longues. Parce que bientôt on va se taper le froid. D'ailleurs, ça commence, hein, les soirées elles sont fraîches, les matins aussi. Sauf que là, il fait chaud, il fait très chaud. Il fait combien, hein? Je sais même pas. Enfin bref, il fait très très chaud. Donc, je suis bien contente de mes achats, 4 t-shirts, de la pâte à modeler pour les enfants. Comme ça, on va renouveler leur pâte à modeler qui est à la maison, puisque c'est tout dur. Donc je vais renouveler. Et puis ça, il faut que je trouve une boîte pour pouvoir mettre tout ça dedans. Je suis bien contente. Je suis bien bien contente parce qu'ils ont plein d'accessoires pour faire des trucs, pour faire de la cuisine ou des trucs comme ça. Donc je suis bien contente. Donc voilà. Donc là j'attends que l'écho finisse. Il est quelle heure? Il est 15h17. Je suis vachement tôt. Hop, je vais enlever ça. Parce que sans déconner, il fait chaud. Il fait chaud patate. Je sais même pas si je vous ai parlé de la voiture parce qu'on a une nouvelle voiture. Je sais pas si je vous en avais parlé. Donc on a vendu la nôtre. Donc on a vendu la nôtre et on a pris une Scénic 3. Donc on verra ce que ça donne. Elle a une 40aine de kilomètres au compteur. Donc on verra bien. Donc moi j'ai hâte de vous que vous voyez les enfants. Je vais vous faire un petit blabla avec les enfants tout à l'heure. Puis quant à moi, ben, je vais voir ce que je vais faire. Je pense que je vais enlever tout ce qui est jeu pour leur pâte à modeler pour voir comment c'est dedans. Et après, je vous reprends après. Donc voilà, de suite.